Salut tout le monde, c'est Mika, comment allez-vous les amis? On se retrouve aujourd'hui sur Farming Simulator 2019. Et du coup aujourd'hui on se retrouve eh bien sur la map Paris du coup. Donc la map Paris qui n'est pas tout à fait terminée, qui est même loin d'être terminée pour le coup, plutôt je dirais même. Et du coup comme je vous l'avais proposé du coup la dernière fois sur le petit sondage YouTube, du coup je vais vous présenter la plupart des manèges du coup forains qu'on peut avoir sur Farming Simulator 2019. Alors il n'y a pas vraiment tous les manèges, j'ai vraiment pris ceux-là qui sont, on va dire, assez jolis, assez bien décorés, assez bien lumineux du coup. Tout ce qui était pêche au canard et autres, je les ai pas forcément mis pas par place, bien au contraire, vous verrez qu'on en a même beaucoup. Juste parce que pour moi il n'y a pas forcément trop d'intérêt, même si ça reste quand même nos premiers jeux d'enfance au niveau de la foire. Je les ai pas mis, je les mettrai peut-être dans une prochaine vidéo où je ferai vraiment une vidéo spécifique sur ces manèges-là. Mais en tout cas du coup, sur cette vidéo-là, je vous ai plutôt présenté voilà, ceux qui sont, on va dire, les grands classiques et les nouveautés. Voilà. La map Paris du coup qui est, il me semble, disponible sur King Mode si je raconte pas de bêtises. Tous les manèges sont disponibles sur la page d'Agrifredo sur Facebook. Du coup, n'hésitez pas à aller voir et à aller checker. Les liens sont dessus. Un petit merci dans les commentaires ne tue pas. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager et puis de liker si c'est pas déjà fait. Allez, du coup, on est parti. Dans le jeu, il est à peu près 19h, 19h30. J'ai pas mis non plus une nuit très sombre. Je vous ai quand même laissé une nuit à peu près clair, lumineuse surtout. Il risque d'y avoir un ou deux petits lags, je tiens à prévenir d'avance, parce que les modes nous demandent quand même beaucoup, 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 beaucoup de puissance, hein, pour le coup. Donc voilà. Et surtout qu'on est sur un endroit assez restreint, donc il y a beaucoup de modes sur une faible zone, donc ça peut effectivement laisser des petits soucis de lagance. Rien de bien méchant, bien évidemment. C'est juste le fait que parfois ça puisse un peu bugger. Voilà, c'est tout. Bon, en soi, y a rien d'exceptionnel. Bah, ça peut un tout petit peu ou un poil un peu bugger. Voilà. Je préfère prévenir juste avant de commencer. Du coup, on est parti. Alors il y en a, vous les avez déjà vus, il y en a que je vais remettre. Donc du coup celui-là vous l'avez déjà vu, c'est le ICR du coup. Alors ce qu'on va faire dans cette vidéo-là, on va vraiment tous les prendre un par un et on va vraiment tous les regarder vraiment en détail. Je vais vraiment pas passer devant et vous dire voilà, ça c'est tel manège, ça c'est tel manège. Je vais vraiment on va vraiment faire une vidéo quand même assez détaillée du coup sur ce type de manège. Du coup on a le premier qui est ici. Ce qu'on va faire, on va s'activer. Le alors si ça fait bien voilà, ça c'est la musique. Alors, ce que je vais faire, je vais couper la musique de fond, je vais laisser à chaque fois les musiques du manège, ça va être beaucoup plus simple. Donc ici c'est représenté sous des formes de cases, ça c'était vraiment les premiers petits manèges. Donc là, il est aussi bien détaillé, hein, au niveau déjà des spots aussi. On est plutôt sur des jolis petits détails de lumière. Là, on est plus sur les premières lumières, on va dire, des manèges qui ont été créés. Hein. Donc on a celui-ci là, donc c'est le Mycère. Mycère. Bon. On le prend comme on le dit, hein, bien évidemment. Ici, vous avez reconnu, les amis, c'est les autotamponneuses, du coup. Hein. Ici, il n'y a pas vraiment. Il y a pas, y a certains manèges où on peut vraiment pas faire beaucoup d'interactions dessus. Donc là, les autobox, ça reste vraiment assez simple. Hein. Très joli quand même au niveau lumière, j'aime plutôt bien. Même l'intérieur est super joli. Vous avez quand même les caissons poêle et sono. Vous avez les tubes néons ici. Donc on est quand même plutôt sur quelque chose d'assez joli, d'assez propre. Hein. Très clairement. Moi j'aime plutôt bien. À côté les amis, vous avez le labyrinthe. Donc le palais. Voilà. Je vais pas dire le palais du rire. C'est pas vraiment un palais du rire. Hein. Après, faut juste pas s'y paumer. Hein. Celui-là on le connaît tous, hein, quand on se prend les vitres dans la tronche. Hein. Bon bah ça voilà. C'est du reconnu. Ici, vous avez le High Speed du coup. Pareil, celui-ci se pilote aussi. Hein.
Donc on a mis les lumières. Alors j'aime plutôt bien ce manège. Donc au niveau lumière, on est plutôt sur quelque chose d'assez joli. Les lumières sont quand même assez dynamiques. J'ai envie de dire, la rotation, j'ai envie de dire, est assez jolie au niveau du manège. On est quand même plutôt sur quelque chose d'assez sympa. Au niveau animation, on est très très joli. Bon, dès que ça brille, de toute façon, c'est plutôt joli. Moi, j'aime bien. Alors, j'ai pas réussi à allumer la très clairement la cabine du manège. Ah, si, je l'ai allumé, c'est bon. Franchement, il est super bien fait. Moi, j'aime bien. On va se le laisser 2 minutes. Donc, c'est plutôt joli. Même là, on peut voir, c'est vraiment, ça tape à l'œil, c'est plutôt, les lumières sont vraiment bien faites. Moi, j'aime bien. Ensuite, vous avez celui-ci là. Alors, attendez, ce qu'on va faire, on va aller couper la musique là-bas. Ici, alors je sais pas forcément le nom de ce manège. Déjà niveau lumière, on peut regarder, on est plutôt quand même sur quelque chose d'assez joli, hein. Ici, je ne connais pas vraiment le nom, mais on va y aller quand même, on va le. Donc là, vous avez les strobes. Donc là on éteint le manège, on le rallume. Bon là on. Ok. Alors c'est plutôt intéressant. Faut aimer l'idée, hein. Après, faut vraiment connaître la. Bon, celui-là est pas exceptionnel, hein, je vais pas vous mentir, il est pas. Ah, c'est pas ouf, hein, ça reste assez classique. Plutôt joli quand même, hein, au niveau décor et tout, on est quand même sur quelque chose d'assez propre, hein. On peut même monter du coup sur la plateforme, donc ça c'est plutôt intéressant. Les autres manèges, on peut pas forcément. Vous voyez, le bras monte vraiment, 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 vraiment haut, hein. Quasiment. À la verticale, je crois quand même on est même à la verticale. Après, du coup, les sièges pivotent. Comme dit, je vais vraiment essayer de couper à chaque fois les musiques pour pas être embêté. Ici, nous avons le Techno Power, du coup, pareil, c'est un nouveau manège aussi. Parce que là, je l'ai un peu mal cadré, je vais pas vous mentir. Celui-ci aussi, on peut pas rester sur la plateforme. Il y en a où on peut et d'autres où on peut pas. C'est la première fois que je l'essaye.
Là, on ferme. Ok. On va aller voir ce que ça donne. Alors ça non plus, je l'ai jamais vu en manège de forain, je vais pas vous mentir. Oui, plutôt joli, plutôt bien réalisé. Plutôt intéressant. Ensuite, vous avez celui-ci-là. Celui-là, vous l'avez déjà vu là dans l'info, en vidéo aussi. C'est le Vortex, du coup. Alors, je sais plus où est la cabine. Ici, il n'y a pas de cabine. Tout simplement, il n'y a pas de cabine. Je sais même pas comment il fonctionne. Donc ça. Désactiver. Donc ici vous fermez. Ouais, en fait c'est comme ça en fait. Hein. C'est assez bizarre comme... J'ai pas trop l'habitude de commander des manèges à la souris. Je vais pas m'attarder dessus, celui-là c'est pas mon préféré, je vais pas vous mentir, loin de là. Après vous avez celui-ci là. Celui-là vous l'avez déjà aussi vu, hein, c'est les Captain America. Donc c'est pareil, il n'y a pas forcément de cabine sur celui-ci. Voilà, il n'y avait pas de cabine. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est vraiment, faut vraiment appuyer sur E. Celui-ci là. Alors là, vous allez me dire, mais comment on fait pour... Ah, bonne question, je sais plus. Je suis pas un expert, hein. Voilà, ok, c'est comme ça. Voilà à peu près ce que ça donne en gros, hein. Voilà ce que ça donne, hein. C'est dommage qu'il n'ait pas animé celui-ci, il aurait été super joli. Ensuite, vous avez celui-ci là. Alors, celui-là, j'adore aussi. Ce saut à la foire, hein, quand il faut le faire. Celui-ci, je crois que c'est pareil. C'est aussi à gérer à la souris. Alors, comme je dis, il y a certains manèges à gérer à la souris. Et d'autres qu'on ne gère pas du tout. Vous voyez? Ouais, du coup pour celui-ci là, hein, assez simple. Hein. Y a rien de... Y a rien de très passionnant. Hein. Ensuite vous avez celui-ci là. Pareil aussi. Bon, voilà, et celui-ci, hein, c'est...
quand même bien très compliqué, hein. Voilà. Vous avez le breakdance qui est ici. Bon, celui-là, je le présente plus, hein, mais... celui-là, pour moi, c'est celui-là qui reste... Pour moi, c'est celui-là qui reste le mieux fait, quand même. Ensuite, vous avez le dernier qui est ici. Donc celui-là, si je ne me raconte pas de bêtises, c'est le move hit du coup. Alors celui-ci commande via une cabine, pas via une souris. Ah, c'est plutôt arrangeant quand c'est comme ça. Alors, on peut mettre de musique sur celui-ci. Bon, aussi. Donc là, vous avez strobe. Celui-là peut être aussi intéressant quand même. Ouais, plutôt. Ouais, plutôt de jolis manèges. Du coup, les amis, nous on s'est laissé là-dessus sur cette petite vidéo. Du coup, je vous ai quand même présenté pas mal de petits manèges. Pas les petits, mais en tout cas les gros manèges. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. On arrive bientôt aux 1000 abonnés, les amis. Pour peut-être la fin de l'année ou début de l'année prochaine. Voilà, en tout cas, on verra. Mais c'est pas le but. Le but, c'est de vous faire kiffer sur les vidéos. Sur ce, les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Et à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.